Et bonsoir. Salut, salut Alta. Comment ça va? En ce 18 novembre déjà. Tic. Et voilà. Oh là. J'espère que ça roule. Hop, je regarde un petit peu les infos qu'il y avait eu vite fait. Sur les bordels de Grandia, visiblement il y a eu une correction de bug. Je sais pas trop à quoi ça va correspondre. C'est où? C'est là. On règle un problème de musique de fond. Les bugs sonores. Le crénelage des sprites en HD a été étendu à plus de cas. Des problèmes de traduction également en français ont été corrigés. Et retour à point de sauvegarde quand tu perds un combat de boss. Ma foi. Ma foi. Et coucou Galadi. Hop, et si je mets pas, évidemment, si je mets pas le truc, voilà. Voilà, donc le petit patch là, le... Merde, je suis dans l'autre sens. Le patch 1.00.52. Tu l'avais toi, Alta, je crois, Grandia, non? Il me semble que tu l'avais acheté. Je dis peut-être des conneries. Mais il me semble que non. Je ne sais plus. Je suis perdu. Bref. Allez, on va continuer les Pokéfion. Hop là. Calmez-vous. Zou. Hop là. J'ai méchamment envie d'y jouer. Game Freak. Pas le temps, je veux jouer. Le petit temps de chargement. Ah bah je reviens pile poil où j'étais, c'est cool. Alors, Skiford, ok. Alors. Ah c'est vrai, j'ai chopé Goopix. That's right. Merde. Ça je l'avais changé avec Capoeira il me semble. Eh oui. Yeah. Et voilà. Donc alors, est-ce qu'il y a des Pokéfions ici? Non. Par contre il y a des dresseurs et c'est bien ce qui m'a... intéresse. Il faut renforcer les points forts de son Pokéfion, il y aura les points faibles. Comme si j'avais des points faibles. Alors du coup, est-ce que ma cam va gêner ou pas? Ah ouais, un petit peu. Hier, j'ai voulu refaire des réglages. Mais évidemment, comme d'hab, hein. Il n'y a rien qui fonctionne. Ok. Hop là. Alors, c'est un Pokémon plante. Jouons la safe. Voilà. Ça va. Petite charge. Vas-y, on va refaire Griffacier, mon gars. Pui, pui, li, pui. Merde, il lui a balancé une baie, non? Une potion? J'ai pas vu. De toute façon, t'es mort. Zoui. Alors, ok. Bah d'abord, 24. Sabotage. Sabotage! Alors,
qu'est-ce que ça fait ça? Fait plus de dégâts aux ennemis qui tiennent un objet. De plus, fait tomber cet objet et empêche la cible de l'utiliser jusqu'à la fin du combat. Ouais, bah je vais enlever griffe alors. Grincement, ça peut être drôle. Ouais, hop, on va enlever griffe. Ça va être intéressant à choper de temps en temps, surtout sur les, sûrement les mecs en arène ou en PVP, ça peut être pas mal. Un chauve-sourire. C'était quoi déjà? Spectre. Spectre, je sais plus quoi. Je m'en souviens plus. Ah, il a même pas une attaque de feu. Oh, chier. Bon, bah, on va garder. Garder Krabi. Efficace, efficace. Bah, Bulldo, tiens. Hop. On l'a pas trop vu encore. On commence à être le boulot, messieurs. Tranquillement. Putain, par contre, les attaques psy, elles sont méga puissantes. C'est n'importe quoi. Il va me buter, Krabi. Hein. Ouais, mais on va le changer. Miaouss. Oui. Go. On veut du shiny. Putain. Ah, t'es pas prêt d'en avoir avec moi. Tranchère. Ok. Easy. Morsure, allez hop. Dégage. Ah merde, j'aurais dû faire un jackpot, putain. Quel con. Easy. J'aurais dû avoir du pognon un peu. Un peu plus de pognon. Ça aurait été pas mal. Hop. 3 capsules, attaque SP plus, putain. Le genre d'item que j'adore revendre. Hop. Donc toi tu me laisses tranquille ou pas? Juste avant. Le tunnel. Le tunnel de la muerte. Vas-y, on va envoyer Goopix. Poupoupoupouin. Je le répète à personne, mais en fait, mon Pokémon m'aide dans mon travail. Oh. Oh. Voici Emily, l'employé. Un Cradopo. Ouais, c'est peut-être pas une bonne chose d'avoir envoyé Goopix. Ouais, non. Vol toutou. Go. Gue, gue, gue. J'ai quand même vu un mec là sur mon forum. Ils ont fini le jeu en un week-end. Ça me rendra toujours fou, je crois. Un week-end quoi. J'aurais dû leur demander en combien de temps. Putain. Oh merde. Putain, je suis vénère. Bing, comment t'es mort. Hop. Ça fait vraiment léger un week-end. Les mecs, ils doivent bourrer le jeu comme des sagouins. Eh oui, hop, 1900 boules. Alors, ce dresseur croise parfois des Pokémon entourés d'une aura indiquant qu'ils sont un peu plus forts que la moyenne. Vous pouvez gagner des watts. Pour les capturer, vous aurez de plus de chances. Plus capturer des Pokémon, plus vous aurez de chances de rencontrer ces Pokémon à aura. Okay. Moi aussi, je voudrais un Psychoquack Alta. J'aimerais. Ah, bah, la nouvelle ville. Skiford. Un donfant, je crois que c'est un donfant.
Hartford, la ville portuaire animée par son marché et son célèbre restaurant. Frankie Vincent, le restaurant. Le rêve à réaliser. Je pense que je vais reprendre... Il est où mon capoeira? Je vais reprendre capoeira. Place de Goupix. Vu qu'à mon avis il y a du combat d'arène. Putain, fait que Nabil soit pas là, que je le vois pas, que... Putain. Par pitié. Alors, ouais. Plus de produits, d'accord. Ce sont des super Pokéballs, non? Ouais, c'est ça. Et hop. Petit Pokéball, ça me fera une Honor Ball. Hop. Il y a des super potions aussi, d'accord. Non, c'est bon. Ils ne voient pas la face, c'est grâce au petit Cheros. C'est grâce aussi Prosper. J'adore regarder les Pokémon que les gens viennent faire soigner. D'accord. Ce sera peut-être vétérinaire plus tard. Pour que ce Dynamax n'existe qu'à Galarmel, le professeur Magnolia l'ignore. Soit. Ah. Qu'est-ce donc? Je suis navré, mais le président est très occupé. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous laisser? Merci. Bon, bon, ok. Au revoir, monsieur le président. Enfin, chers amis, revenez. J'ai toujours le temps de poursuivre quelques auto-offs. Je vous donnerai même ma carte de ligue. Oh putain. Méga bof. Méga bof. Enfin, Liv, toutes ces bonnes joues ont bien le droit de profiter du plaisir que leur apporte ma présence, elle aussi. Putain, le mec. Avec son caleçon de Pokéfion. Propre. Ne perds pas de vue que sans le soutien des fans, nous ne serions rien. Sans qu'un peu plus aimable avec eux. D'accord. C'est bien beau d'avoir des fans, monsieur le président, mais il faudra qu'ils vous laissent travailler si vous voulez continuer de les éblouir. Monsieur Cheros, oh putain, il y a lui, putain, merde. Moi aussi, je vais continuer de tout donner pour vous. Putain, quel lèche-cul. C'est fort aimable à toi, mon petit, tu peux juste me rappeler ton nom. Oh putain, la tristesse. Travis, monsieur. Bien sûr, le brave petit Travis. Ah, tu as bien dit, je me souviens encore de toi le jour où je t'ai donné un Pokémon. Tu as l'air bien parti pour réussir le défi des arènes et les protéger du métro aussi. Tu m'as fait l'honneur de me soutenir, monsieur le président, je ne vous décevrai pas. Tu seras le meilleur des challengers, vous verrez. Je vais m'entraîner de ce spa. Eh ben, entraîne-toi bien, parce que Yonk, t'étais pas GG. Hein. T'as pas le Kerzomir, c'est bien ça. Je savais justement pourquoi Tarak avait décidé de te recommander. Je viens d'avoir une idée merveilleuse. C'est normal après tout, je suis tellement fabuleux. Mon jeune ami t'en route pour affronter Donna, c'est bien ça. Écoute, je compte m'offrir un bon repas. Passe donc me voir une fois que tu auras obtenu ton badge pour que l'on célèbre ça ensemble. Tu pourras en profiter pour me parler un peu de toi, je suis curieux. Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous bousquer, mais il serait temps d'y aller. Bon, il y a Liv la waifu. Hein. Je compte sur toi, jeune dresseur. Surpasse-toi pour l'avenir de Galar. Un peu bizarre son haut, très coupé là. Le président a un planning très très chargé, mais il a prévu de passer au restaurant de fruits de mer un peu plus tard. File récupérer ton badge et retrouve-nous là-bas. Ne le fais pas attendre. Soit. Soit. Alors. Ok, donc ça c'est le restaurant. Président Shenrose, un autographe. Oui, oui, badge haut. T'inquiète pas. Tout vient à point, qui sait attendre. Ah, salut toi. Ça doit pas être facile de battre Donna. Comme les sandwichs. Donna. Je suis en haut des montagnes de remèdes, je suis en stage, mais là, mais j'apprends vite. Ok. Pour moi, pas besoin. Sympa de cuisiner avec ses copains, même si on rate son coup, on rigole bien. Ok. Oh, de vieux disques, il y a peut-être des raretés. Sentez ces encens, laissez-vous tenter par leur parfum. Augmente la puissance des capacités de type plante. D'accord, donc ça c'est comme les trucs, ok. Double l'argent gagné si le porteur se joue au combat. D'accord.
particulier. C'est bien ici pour voir Pierre d'Argenta, bien évidemment. Comment ça va, Dudule? Putain, en plus, je l'ai enlevé il y a quoi? Il y a 10 minutes, le truc de Pierre. Je l'avais encore dans mes sources de ma scène Twitch, tu vois. Je l'ai enlevé il y a quoi? Il y a 10 minutes. T'aurais pas un chien chidou des fois? Je te l'échange contre mon doudou V. Ouais. Doudou V. Vas-y. C'est la même musique que dans... Ah, là ça change un peu. Oh, il est mignon celui-là. Oh putain, ça y est, t'es à fond dans tes os là, Dudule. C'est beau. Alors, Doudou V. Plante fée. Ok, donc ça c'est un nouveau type. Il sème du coton pour se protéger. Il lui arrive d'être emporté par une tempête à l'autre bout du monde. T'es bien brave là. Je te remercie, je vais le chouchouter, t'en fais pas. Ah, du coup, Dudule, faut que je te montre tes Pokémon à toi. J'ai deux Pokéfions à ton nom. Et mon objet à tenir, ça augmente la capacité de type électrique. Ah bah parfait. C'est ce qu'il me fallait pour le fabuleux Voltoutou. Alors. Aimant. Hop. Alors attends, je vais te montrer. Comment je peux faire? Hop, boîte PC. Alors, faut que je te montre le fameux... Attends, t'es où? Ah, t'es là. Voilà. Déjà, y a Dudule. Le Dudule glacé. Le Dudule hiver. Ça, c'est forcément Dudule hiver. Hein, le Dudule qui se gèle dans son appart. Toujours un peu froid. Tu es docile et très volontaire. Ça c'est beau. Donc voilà, le install gamin. Et il y en a un autre évidemment. Celui-là, le Dudule. Pourquoi je l'ai appelé Dudule, évidemment? Parce qu'en fait, il s'appelle Rototope. Évidemment, qui de mieux placé dans la communauté du bronze pour faire des rototos que Dudule? Ça ne pouvait être que toi, Dudule. Rototope, forcément. Il n'y a qu'un seul Rototope. Un seul Dudule. C'est normal. J'espère qu'ils ont des évolutions. Bon, on peut regarder ça. Alors, attends. Alors, Stalgamin, j'en suis sûr. Oh, il y a quoi proche? Coléodrome. Il est pas mal lui, Colo, donc j'aime bien. Et vert pomme, ok. Alors. Non, parce que faut que je me mette dans le truc. Hein. Alors. Non. C'est pas cela non plus. Ah, le Stalgamin, il est là. Et il me semble qu'il a une évolution. Au moins une sur. Peut-être deux. Je sais plus. Et Ratotope. Rototope, pardon. Où il est? Ah, il est là. Rototope, ouais, il a une évolution. En général, quand il y a un trou entre deux Pokémon. De base, on va dire, normalement il y a des évolutions. Donc il aura une évolution. Pas pour le moment, puisque je l'utilise pas, mais plus tard, qui sait.
Ok, bon, il n'y a rien d'autre ici. Là, c'est le machin. Bon, on va continuer par là. Hop, est-ce qu'il y aura des items cachés par là? J'ai pas l'impression. Ouais, il y avait quand même un item. Un gros lococ. Objet à tenir, restaure un peu de PV du porteur chaque fois qu'il inflige des dégâts. Ok, pas mal. Le rototope a volé en biki rototope. Ah, c'est vrai. Ah, s'il y a un Pokémon frite ou un truc comme ça, évidemment je l'appellerai biki. En ton honneur. La mine de galère numéro 2 est un bon coin, sa grouille de Pokémon dure comme la pierre. Ok. Toi t'as dit la même chose. Oh non, putain, encore eux. Oh putain. Les pires. Alors eux en fait, c'est espèce de méga fan d'un des dresseurs. Et genre ils ont des trompettes et tout à la con. Putain, les pires. Putain. Horrible. La waifu live. Oui, je vais récupérer le badge, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Est-ce que je peux entrer ici? Yes. Alors là il y a un sap. Moi aussi j'ai la carte de Tarek, le maître. Qu'est-ce que ça me fout? Tu t'amuses bien devant ta télé éteinte? Ah bah voilà, faut lui allumer. Tout faire à ces gens. Hop. J'ai vu une nouvelle news sur Pokémon, des couillons ont fait une pétition pour que Trump annule les ventes de... Oui, oui, j'ai vu ça aussi. C'est abusé, les gars, quoi. Les mecs, ils sont prêts à tout pour je sais même pas quoi. Ça m'a saoulé, j'en ai un peu parlé sur mon forum. Enfin, sur mon forum, sur le forum auquel je participe en général. Et pareil, ils comprennent pas trop... Les mecs là, ça... Enfin, je sais pas, moi j'y joue tranquillement. Bon. Y a pas mort d'homme, hein, je veux dire. Tout ça parce qu'il y a pas tous les Pokémon dans le jeu. Putain, c'est une honte, c'est de la merde ce jeu de merde. Voilà. Voilà où on va. Ça n'a pas mordu, je sais. Moi j'astique mon attirail de pêche quand même. Ah, ça c'est un peu. C'est Dudule ça. Dudule et Chido, ça n'a pas mordu aujourd'hui, mais j'astique mon attirail quand même. Bah ouais, si ma canne brille bien, ça va attirer du Pokémon, évidemment. Ah, elle se retrouve broucouille, merde. Hop. Mais il y a eu plein de conneries, là. T'en as un aussi qui a fait un mode, je sais pas trop comment, mais bon, qui a posté ça sur Game Informer, ou je sais plus quoi. Et en gros, il a mis un Pokémon qu'il n'y avait pas dans le jeu, mais qui était dans Let's Go Pikachu et Evoli, je crois. Et du coup, fait, ah, vous voyez, moi si moi je peux le faire, eux aussi ils peuvent le faire, c'est gros sac à merde de Game Freak, enfin bref. Voilà. Sauf que ces attaques fonctionnaient pas, il n'y avait aucune animation, il n'y avait rien. Donc, bon. Magique. Toujours incroyable. Ah, tiens. La gamine elle parle comme Altagi. On garde la maison quand Popo et Momo ils sont polo. Mais on n'est jamais seul, j'ai un Pokémon aussi, c'est juste qu'il se cache, il est peureux. Mais ouais, il y a eu beaucoup de conneries là sur Pokémon. Ça me saoule un peu quoi. Qui sont en plus pas justifiés quoi. Après, que tu chiales sur le popping du jeu, ouais. Enfin bon, Pokémon, ça n'a jamais été non plus la vitrine technologique de n'importe quelle console, quoi. Donc au final, on va dire que c'est dommage. Mais bon, c'est pas non plus, voilà. C'est pas une surprise. Donc ça a forcément gueulé pour le Pokédex. Et là, tous les gens, ouais, c'est une honte, machin... Game Freak, c'est des putains de menteurs. Pénible. Déjà pour moi de base, dans Pokémon, on ne devrait pas revoir
des Pokémon des autres versions, puisque chaque génération ça se passe dans une autre région. Bah ouais. Ou il peut y en avoir quelques-uns, mais pas non plus. Attends, t'imagines là, il y en aurait combien? 800, 890, un truc comme ça, j'en sais rien. Faut arrêter de déconner. C'est pas évident de différencier les axolotls mâles et femelles. Tu sais comment faire, toi? Non. Ok, bon, salut. Mais ouais, je sais pas, je vois pas le truc, putain. Pareil, il y en a qui gueulaient parce que... Ah, Pokémon, bah dis donc, c'est pas assez mature. Pokémon, c'est une série de jeux vidéo pour des destinés normalement aux gosses. Donc voilà. En fait, eux pensaient que, en fait, bah, comme moi, tu vois, les gens de mon âge, en gros, peut-être même un peu avant, ça allait... le jeu allait garder, enfin allait avoir la maturité de l'âge auquel on a joué en premier. Genre moi quand j'ai joué j'avais 10 ans, je vais avoir 10-11 ans je crois, à peine, au premier Pokéfion, ben voilà c'était les premiers, c'était les débuts et tout. Et donc en fait au fur et à mesure, pour eux, ça aurait dû monter crescendo, et voilà. Sauf que ben ça l'a pas fait, donc forcément les gens râlent parce que c'est pas assez mature Pokémon. Bientôt on va nous sortir, c'est pas assez réaliste. Hier Alta qui me faisait bah il faudrait que tranche, ça coupe un bras, un choc mental, le cerveau du Pokémon explose. Là d'accord, là ça serait mature, tu vois, il y aurait du sang et tout, ça serait trop bien. Si un champion est trop mauvais, ou il risque de passer, il ou elle risque de passer en deuxième division. Oh putain. Enfin bref, beaucoup de, je sais pas, beaucoup de conneries. Après que le jeu soit pas net, pas beau, que la DA corresponde pas à ce qu'il voulait, bon, pourquoi pas. Je veux bien l'entendre et je serais assez d'accord. Maintenant. Après, de là, aller bâcher le jeu n'importe où, même sur Sens Critique, qui normalement où c'est plutôt calme, etc. Même là, il s'est pris des 2 sur, 2 sur 10, des trucs comme ça. On peut se battre dans le métro. Ouais, t'inquiète, tu peux aller à Paris si tu veux te battre dans le métro. Non, on s'en fout. Okay. Donc bon, beaucoup d'ahuris qui pensent que Pokéfion c'est une série ultra mature et tout, quoi. Alors que ça a toujours été un jeu pour les gosses, mais bon. C'est juste qu'ils ont perdu leur âme d'enfant, c'est tout. Moi j'ai pas besoin que le jeu il soit plus mature ou moins mature pour kiffer y jouer. On raconte que Pokémon représenté par ses statues aurait un jour protégé le phare. D'accord, donc voici Donna. La championne de l'arène. Tu es un challenger, n'est-ce pas? Excellente déduction. Et tu es parrainé par Tarak. Eh oui, nous autres champions, parlons souvent de toi. Ta réputation me précède. Putain, j'ai eu un seul badge. Tiens, c'est pour toi. Je suppose que tu as envie d'en savoir plus sur moi. Ah, la carte de ligue. Et paf, dans mon super truc. C'est une chose que j'aime encore plus que la pêche, c'est un combat Pokémon. Ça fait un peu remake de la période avec le Pharamp quand même. Pharamp. C'est dans Pokémon. Oh. C'était Pokémon Or Argent Cristal, non, c'est ça? Et coucou Parano, j'espère que ça va bien. Ouais, c'est bien ça. Attrape l'ennemi dans un fil électrique, baisse aussi la vitesse de l'ennemi. Oh, pas mal. Enfin bref, il y a eu beaucoup de bordel dit dessus sur Pokémon. Enfin,
Les gens qui veulent à tout prix que les jeux y soient différents. Enfin... Là, c'est exactement comme le bordel qu'il y a eu avec Sekiro que... Ah oui, mais le jeu, il est trop difficile, moi je peux pas y jouer, je suis frustré. Mais écoute, mec, putain, on est plus en 1983 où il y avait 5 jeux qui sortaient par an. Putain, avec le nombre infini de jeux qui sortent par jour maintenant. Putain, joue à autre chose, quoi. Si c'est plus pour toi, c'est plus pour toi, c'est pas grave. Ça qui me ça me gonfle un peu de voir ça. C'est un peu lourd quoi. Après, Pokéfion, ça a toujours été 8 arènes. À part Or Argent qui est très très très... Enfin, Or Argent Cristal. Qui est extrêmement complet avec les 251 Pokémon, les deux ligues, etc. qui est très très long. Mais après, je pense que le reste, ça n'a jamais été très très différent du reste quoi. Donc bon. Là, ce qui me dérange plus, c'est les gars, ils sont là. Ouais, alors je l'ai commencé vendredi avec mon frère et je l'ai fini dimanche à 14h. Ouais, bon. Je veux bien, mais bon. T'as bourré le jeu, quoi. Là, je veux dire. Au bout d'un moment. C'est vrai. À un moment, bon, c'est un peu triste, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, je comprends pas. Les mecs qui rushent. Ils rushent le jeu, puis après ils sont là à dire ah bah ouais, mais il n'y a pas de endgame et tout. Mais putain, mais mec, déjà chope les Pokémon, chope ce que t'as envie. Enfin, après, si t'as envie de dropper le jeu, tu droppes le jeu, mais bon, c'est pour le faire en 3 jours. Le jeu, tu l'as acheté 50 balles, ça fait un peu chier quoi. Ah, tu vas envoyer du steak. Ah bah j'ai hâte de voir ça, Dudule, mais me dis rien, zéro spoil. Moi, quand je suis en Pokéfion pour la première fois, je parle à tout le monde, quoi. Ouais, bah, exactement. Mais en fait, Pokémon, c'est une aventure, c'est de la découverte. C'est. Voilà, tu. T'explores, tu vas tranquille. Il y en a, c'est. Vas-y, je bourre. Je vais à l'arène. Je prends mon type. Bam, j'y vais. Je fais la mine. Baf, je défonce tout. Bon, faut arrêter, quoi. C'était là juste pour. Juste pour bourrer, viens pas te plaindre après quoi. Parce qu'après ça va être les mêmes gens qui vont être là à te dire ouais mais le jeu il est pas assez long, il est pas ceci, il est pas cela. C'est un peu lourd. Ah et monsieur Pokéball. C'est moi le ball masqué. J'ai un cadeau génial pour toi. Ça ira de pair avec ta canne à pêche. Un Napaboule, ok. Une Pokéball un peu spéciale qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon ferrés avec une canne à pêche, ok. Plus facilement les Pokémon que tu pêches. Il n'y a pas à dire, c'est une Pokéball faite pour les amoureux des Pokémon. Oh. Les Pokéballs, c'est vraiment trop de la boule. Putain. C'est toujours des jeux de mots de merde, mais ça me fait rire. C'est tellement nul. Bon allez. On va me faire une petite save. En vrai, surtout dans la dernière version, t'as toujours à faire tout attraper, les jeux in-game, les combats strat en ligne. Ouais, mais tu vois, là aussi, il doit y avoir des combats en ligne, des machins, des trucs. Rien que le truc Poké Camping, le... Comment les terres là... Comment... les terres arides ou je sais pas quoi là. Ah, il y a beaucoup de choses à faire quoi. Enfin, dire au bout d'un moment, putain. Il y a du bordel quoi. Il y en a des choses à faire. Les échanges magiques, des combats en réseau. Putain. Tu bourres le jeu quand tu.
Voilà, quand tu l'as déjà fait une fois tranquillement, ok. Mais là, bourré pour être ouais, je l'ai fini et machin, et je peux te dire tout ça et tout ça. C'est pas intéressant. Eh oui, je viens l'affronter. Ah, il faut que j'aille mettre mon costume. Enfin bref, je trouve ça un peu dommage de jouer comme ça, quoi. C'est juste pour bourrer. Et dire après, ouais, le jeu c'est de la merde. Attends, un Pokémon en un week-end, quoi. Ouais. Il y en a, ils l'ont même pas encore acheté. Le jeu, il est sorti vendredi. N'importe quoi. Allez, c'est parti. Après, je dis pas que je vais rester 3 mois dessus hein, non plus. Mais bon, il y aura toujours des petits trucs à faire. Si t'as envie de refaire une équipe et tout. Surtout qu'en début de jeu, t'as quand même beaucoup de Pokémon différents. Donc tu peux toujours refaire des teams différentes, etc. Donc voilà. Là, les gars, ils sont en train de chialer pour rien. C'est vénère, quoi. Bah ouais, je pense que c'est ça par an. Le mec, il le finit en un week-end. Ou alors il a fait que ça. Le mec, il a pas vu. Il a fait 2 dodos de 8 heures. Moi, je. Il y a des choses qui me font un peu douter quand même. Enfin bref, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais après qu'ils viennent juste pas la ramener en disant ouais, le jeu il est pas assez long, le jeu il est pas ceci, pas cela. Enfin bref, le genre de commentaire qui veut rien dire quoi. Alors voici la mission d'art de Skyford. Le but c'est d'arriver à sortir du labyrinthe. Enfin, ce sera pas si simple car il se peut que l'eau te bloque le passage. Ouais, t'appuies sur les boutons pour t'aider. Ouais. Bon, ça c'est comme. Alors tu vois, si le seul truc 76 est meilleur, non. Non, ça par contre, jamais. Jamais Dudule. Ah oui, putain, l'homme à la moustache, c'est magnifique. Liana la dresseuse. Alors, Tritonde. Lui, il me fait penser au, tu sais, au train troll là qu'on voit dans les vidéos sur YouTube. Avec la gueule, là, je sais plus comment, je sais jamais comment il s'appelle. Efficace, bah vas-y, tire debout. J'en ai que 14 par contre. Après, ils ajouteront forcément un peu de contenu, il y aura d'autres trucs. Putain, choc mental, mais c'est taré, les dégâts que ça fait, c'est n'importe quoi. Complètement fumé. Jackpot, hop, allez, donne-moi du pognon. Une pluie de bits. Ouais, parce qu'il y en a aussi qui gueulaient parce que les animations, et eh ben dis donc, c'était vraiment de la merde. Parce qu'en fait, attends, s'il y a un autre Pokéfion. Ok, vol toutou. Non, je l'ai battu. Je te montrerai après. Para et Dudule. Est-ce que ça a gueulé? Parce qu'il y en a. Il y a une attaque. Enfin, il y a une attaque. Il y en a peut-être plusieurs. Hein. Après, je les ai pas toutes utilisées, hein, évidemment. Mais en gros, ils se sont dit ouais. C'est pas normal.
c'est pas normal, ils nous prennent pour des cons parce que genre cette attaque là ça prenait 2 secondes à la faire. Oh, attends, je vais te montrer après. Mais t'inquiète pas, je saurais faire. Et maladresseuse. On va cramer. Je vais peut-être juste relever un peu ma cam, j'ai l'impression que ça gêne un peu le texte. Voilà. Hop. Donc par exemple là avec. Ah bah Krabi contre Krabi, très bien. Donc Badaboin, hein, c'est mon. C'est mon. Comment mon starter qui a évolué. Donc voilà. Ok, fais armure si tu veux. Donc voilà, il a une attaque qui s'appelle coup double. Et voyons l'animation de coup double. Voilà, un saut, deux sauts, voilà. Et les gars, à partir de là, ils ont dit « Ouais, mais c'est de la merde, ils ont fait une animation de chiasse pour ça, c'est pas normal, Game Freaks, c'est des enculés, etc. » Voilà. Super. ça me rend tellement triste, les gens qui pensent, mais... C'est... Les pauvres... Le machin fait 2 pauvres sauts et donc c'est forcément de la merde. Ah tiens, il y a 6 fonds. Sapotage. Donc voilà, les gens, pour ça c'est de la merde. Krabi 24. Cul, écrasement. Ah bah oui. Un écrasement, ça fait quoi déjà? Krabi avec un énorme pied peut aussi l'apeurer. J'aime bien. Par contre, c'est une attaque normale. Je vais virer un bruit du coup. Écrapince. Ouais, on va envoyer vol toutou. Enfin bref, il y a eu tellement de conneries dites que ça me gonfle en fait. Non mais c'est ça, hein, Dudul. Je sais pour un détail aussi insignifiant, pour il devrait arrêter le jeu vidéo. Je sais. En fait, j'arrive même pas à comprendre comment tu peux en arriver là, quoi. C'est. Après, tu peux être déçu parce que la réalisation, parce que l'histoire, parce que voilà. Mais bon, de là à aller chialer sur Twitter, de là à aller insulter les développeurs, de là à aller menacer de mort un développeur de Game Freaks, enfin... Un review bombé le jeu qui est pas encore sorti, hein. Le jeu il se prend déjà des sales notes, le jeu n'était pas encore officiellement sorti. C'est quand même extraordinaire. C'était magnifique, enfin bref. C'est le genre de truc qui te rend triste du jeu vidéo en fait. Tu te dis putain, on mérite pas des jeux vidéo en fait. Alors. Ok. C'était quelque part. Ok, donc là c'est bloqué. Bon bah vas-y, on va t'affronter. Je veux dire, on parle pas d'animations qui sont complètement foirées, on parle pas de décor qui n'apparaît pas. Si, il y a eu le popping aussi, le popping ça a fait chier les gens. Après, j'aime pas trop le popping non plus. Donc ça, je pourrais pas non plus tout justifier. Mais bon, la double attaque, je veux dire... Ah ouais, quand même, ça pique. Il
Enfin bref. Puis peut-être qu'ils vont la retravailler l'attaque par la suite, je sais pas, bon. Mais bon. Kellogg. Putain, c'est qui lui déjà? Kellogg. Vas-y, on va envoyer Ryuken. Je veux dire, le jeu il aura vraiment pas fonctionné, il ralentirait à mort, il serait buggé à fond, bon. Ah mais c'est Nicolas Cage, mais oui c'est vrai. D'accord, là je comprendrais qu'il se fasse défoncer quoi. Bam, hop, fini. Bon, je comprendrais, il y aurait pas de... Voilà. Bah, après l'animation, ouais, elle est pas terrible. Et bon, de là à dire que tout le jeu est de la merde... J'aime pas non plus, hein. Je trouve ça, ça fait vraiment cheap l'animation. Je pense qu'ils ont dû oublier quelque chose. Mais bon. Je veux dire, le jeu il rame pas. Alors. Le rouge peut-être avant. Je dois pouvoir passer là-bas. Ah oui, c'est vrai, ils sont pas capables non plus de mettre les arènes en fond, enfin, ou même le décor. C'est vrai, je m'en souvenais plus de ça, Alta aussi. C'est vrai que j'avais oublié cette particularité. Mais c'est que des bleus là-bas. Ok. Parce que si je fais le jaune, je suis bloqué. Ça fait que 80 pour nouveaux Pokémon. Ben, je sais pas, moi j'ai pas joué depuis. Bah, or argent cristal vraiment, donc je peux même pas dire si moi j'en ai 720 à rattraper, donc bon, pour moi ils sont tous nouveaux. Puis bon, il pourra faire un côté plus diable. Après tu vois, je veux bien partir dans le fait que ouais bon, ça reste moche, ça reste pas beau, ça reste ceci, cela. Pff.
Après, bon. Ça, c'est un peu gonflant, au bout d'un moment. T'as beau le. Ouais, mission accomplie, easy. Les mecs, de toute façon, ils auraient toujours trouvé quelque chose à redire. Peu importe la manière dont ça serait fait, donc. Toi, t'as un peu la flemme que. De tout ça, quoi. Ouais, bah, de toute façon, ils savent. Ils savent faire du Pokémon, ils font du Pokémon et voilà. Après, forcément, les gens pensaient, oh putain, ça va être sur Switch, ça va être ouf et tout, machin. C'est Pokémon, les gars, calmez-vous. Ça n'a jamais été un étalon graphique de quelque console que ce soit, ni techniquement, ni. Enfin, ni graphiquement, donc il n'y a pas de raison pour que celui-là ça change. Hein. Les gens ils comprennent pas que Game Freak c'est une toute petite boîte, hein. C'est rien Game Freak ça. Et en 3 ans, je crois, ils ont multiplié par 3 leur nombre d'employés ou un truc comme ça. Les mecs ils sont restés à moins de 100 ou environ 100 sans employés pendant, je sais pas, près de 15 ans. T'sais. Plus, faut voir tout le merchandising que t'as derrière. Ils peuvent pas louper, ils peuvent pas laisser une année sans Pokémon nouveau, sans jeu nouveau, parce que derrière t'as toutes les cartes, t'as les produits dérivés et tout. Les gens ils comprennent pas ça. Et ils veulent, ah, je veux mon Pokémon, c'est tout. Tu es venu à bout de ma mission d'arène qui était pourtant relativement complexe, oui. Et je trouve ça, et je dis ça en toute humilité. Tu possèdes un esprit affûté qui te prédispose à la carte de dresseur Pokéfion. Mais ton discernement suffira-t-il à te sauver face au torrent de mes attaques? J'en sais rien. On verra bien. Donna! Voici rien. Ok. Ah, la fameuse musique. Ah, Dynamax. Ouais, mais pas tout de suite. Griffe assis. Ah non, merde, écrasement, putain. Oh merde, bon, il va décéder. Non, ça va. On va changer tout de suite. Lucan, vas-y. Et là, on voit toute l'arène. Donc, pour les combats d'arène, il y a ce qu'il faut. Alors hop, triple pied. Vibre à quoi? Non, ce qu'on disait avec Alta hier soir, c'était. J'aimerais bien qu'ils inventent un module de cartouche. Donc à mettre dans la Switch pour jouer à tous les anciens jeux Pokéfion en fait. Putain, ça je kifferais. Assurance. Alors. Cette dague est deux fois plus efficace si l'ennemi a déjà été blessé durant ce tour. Compliqué. Non. Je vais pas la prendre. Embroché. Vas-y. Oui. Ah, celle de l'arène d'hier était mieux, je trouve. C'était beaucoup plus foot, c'était rigolo. Aqua Jet. Et j'ai même pas utilisé mon Pokéfion électrique. Torgamor, je connais pas. Ouf. Lui il rigole pas par contre. A mon avis elle va le dynamaxer. Bluff. Merde. Niqué.
Et trop facile même pour les enfants. Bon. Ah si, ça y est. Oh là là là. La 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 la. Bon, autant dire que le bluff il va pas marcher là. Après il a tout, ça a toujours été un jeu relativement facile. Hein. En même temps si tu fais un jeu compliqué pour les enfants, ils y joueront pas. Et forcément que ça a échoué. Normal au max. Je pense que je vais décéder. Ah même pas. Alors, sortons vol toutou. Mais celui-là est quand même très facile. Hein. Je veux dire, je fais pas de. Enfin, il est pas facile, mais ils ont implémenté plein de choses qui rendent le jeu facile. Donc, c'est un peu emmerdant. Hydromax. Oui. Ça pique. Ouais, c'est le côté Dynamax. Une vienne géant. Alors, on va lui faire une petite tranche. Putain, il va tous me les buter. 5, ok. La 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 la. Électricité versus eau, t'es sérieux? Mais bien sûr. Bah l'eau, l'électricité ça défonce l'eau. Par contre je suis un peu deck qui me l'a mis KO. Bon, on va utiliser Badabouin. Hop. Bah tu savais pas Alta? Coquillame. Putain mais les dégâts de ouf que ça fait. Hop, Dynamax. Phytomax. À moi d'être vénère. Boule disco. Mes champignons, bam, one shot. Fais pas chier. La 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 la. Non, je suis deck pour vol toutou, putain. Ah tant pis. Ryuken 24. Kuba. Kuba. Permet au lanceur de frapper en priorité et échoue si l'ennemi ne prépare pas une attaque. Ouais, non, c'est un peu chiant ça. Bleuzaï 25. Ok. Bon. Bah voilà, le deuxième badge. Easy. Bon, n'empêche Donna légèrement inspiré de Splatoon, hein, je pense. C'est quand même un peu... un peu obvious. Salut, t'as fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils ajoutent un peu plus de Pokémon aux champions ou aux dresseurs. Parce que là, ils ont toujours 1, 2 ou 3. Toi, t'arrives avec ta team de 6, c'est bon quoi. Putain, j'ai reçu mon trading ce badge. Porte-le fièrement. Eh oui. Et voilà le badge haut. Extraordinaire. Putain, baisse là. Le pire. Calmez-vous. Nous sommes sur un jeu pour enfants. Alors, siphon. D'accord. Ah donc en fait, siphon, c'est devenu une CT maintenant. Ok.
Une copie sans uniforme en prime. Ah cool. Sur les tournées, vous avez remporté le badge haut avec brio, je garderai un œil sur vous pour savoir jusqu'où vous irez comme ça. Du coup je peux me changer comme ça, non? Ah non. Ainsi. Ainsi. Ainsi fond fond fond. Ah bah voilà Liv. Notre waifu. Bah non. Pokémon c'est jamais mature. Enfin, quoique. Non, y a, apparemment il n'y en a qu'un seul qui a été relativement mature, c'était noir et blanc je crois. Je pense que... Comment... Paranor il pourra me le dire mais... Baisse-le aussi s'il te plaît. Ah, là d'accord, là je veux bien essayer de faire un effort. Au restaurant, le brise-lame. Ne traîne pas en chemin s'il te plaît. Voici sa carte de ligue au cas où tu aurais oublié son visage. Non mais les mecs, ils me donnent tous des items. Ne remets jamais à plus tard ce qu'il peut faire sur le chemin. Il refuse de faire attendre même un instant ceux qui pourraient bénéficier de son aide. Et moi, j'aime pas que l'on fasse attendre le président. Alors, au galop. Bon, elle a un peu des yeux bizarres quand même. C'est pas ouf. Carte de ligue, ok. Donc, dans mon album. Donc, j'ai Chêne Rose. Chêne Rose plutôt. J'ai Donna. Putain, la souplesse. J'ai Tarak. Percy et Nabil. On dirait que je peux supprimer leur carte. Putain. Ok. Soit. Eh ben, je vais sauvegarder déjà. Merde. Trompé. Ah, tu vois, là, j'en suis à quoi, 10 heures de jeu, c'est ça? Ça m'a vu ça, ouais. Ouais, presque 11 heures de jeu, j'ai que 2 badges. Ouais, tu prends ton temps et ça passe tout seul, quoi. Ouais, je fais pas de leveling, je fais rien du tout, j'ai... Ça sert à rien. Je suis là, je trottine, je vais voir dans les... Je cherche les Pokémon, je... Voilà. Tu fais ta vie. Comme la sode. T'es horrible. Horrible cet homme. Qu'on le fasse taire. Allez, allons au... On va voir chez Rose. Alors... Ok. Moi c'est le restaurant, ouais. D'accord. Je pense passer incognito quand il vient manger ici, mais tout le monde le reconnaît. Ouais, bah tu m'étonnes. Non, je peux pas te parler à toi? Non, tant pis. Putain, le pire. Ah, Cardomir, Jean-Antoine, où est fait-on ta victoire? Tiens, tu as été invité toi aussi. Ouais, vous connaissez, merveilleux, je vous en prie, prenez place. Prenez palace. Ah, autre waifu, évidemment. Skiffhorn est une ville qui vit traditionnellement des produits de la mer, donc une espèce de Carmin-sur-Mer. Ça par contre, ça me dérange un peu d'avoir le nom des villes anglais en fait. Ils auraient pu mettre des villes, des noms de villes en FR quoi, toujours avec les jeux de mots. Après je sais pas si au-delà de Ruby etc. il y avait des noms de villes aussi que anglais ou des trucs comme ça, mais... En tout cas, dans Rouge, enfin première gène et deuxième gène, c'était que des noms de villes entre guillemets francisés. En tout cas, avec des jeux de mots français, quoi. Quitte à aller au restaurant, le choix ne se pose pas, il faut manger local. Tous les plats de la carte sont plus délicieux les uns que les autres, vous ne serez pas déçus. Je suppose que cette chère professeure Magnolia se porte toujours comme un charme. Nous lui vendons beaucoup, voyez-vous. C'est elle qui a découvert comment utiliser le pouvoir des étoiles vœux pour dynamaxer les Pokémon. Sans ces travaux, jamais nous n'aurions pu fabriquer des poignées Dynamax. Oui, mais nous sommes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères du Dynamax. Je dois avouer que ça la préoccupe. Elle me force même à emporter un détecteur de source d'énergie dès que je sors. Oh, un détecteur de source d'énergie. C'est si pratique ces petites choses. Vous savez, c'est grâce à eux que nous avons découvert ces lieux riches en Galarion, qui permettent aux Pokémon de se Dynamaxer.
Je suis navré d'apprendre que cette chère professeur Magnolia est préoccupée. Sinon, je pouvais faire quelque chose. Peut-être une élève. Veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle des reliques de Kickenham? Je suis persuadé que la clé des secrets du Dynamax est liée à l'histoire de notre région. Sans doute, monsieur le président, je vais arranger cela. Sur ce, je dois vous rappeler que l'heure tourne, monsieur le président. Quoi déjà? Oh non, j'aurais voulu discuter avec Karzomir, c'est dommage. Mais que voulez-vous? C'est la dure vie de PDG. Le mec, je suis un PDG. Mon temps ne m'appartient pas et je ne vis que pour Galar. Mais quel genre d'homme serais-je si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières? C'est vrai. Méga évolution Dynamax, go go go, Power Pokémon. Ouais, c'est un peu ça. C'est même un peu beaucoup ça. Après, ça peut ne pas plaire. Moi, je trouve ça... mouif. Mouif sur 20. Mais bon. Pff, il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques. Je suis obligé d'y aller, maintenant. Mais bon, il a sans doute raison. Si j'ai bien une chance de trouver des infos sur les gens, c'est là-bas. En fait, bravo, tu as obtenu ton badge. Oh, bravo, Donna est une adversaire coriace. Tu as bien maté cette CT. Vengeance. Le mode raid est sympa, te battre contre un gros Pokémon. Ouais, ça a l'air cool. Mais je l'ai pas fait encore. Randonna, c'est une bonne copine, je vais aller lui faire un petit coucou. A plus, Challenger. Non, on peut toujours pas te parler, chef. Non, je me tire. Oh putain, non, pas Nabil. Yo, toi aussi, t'as déjà le badge plante et le badge haut, c'est ça? Dans ce cas, notre prochain adversaire sera le même. Kabu, le champion de Motorbike. J'ai justement entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar numéro 2. Donc à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à Motorbike. Autant faire un crochet par la mine, on tombera peut-être sur lui avec un peu de chance. Soit. Ok, donc c'est par là-bas. Je suis pas entré dans le phare, je vais aller voir. Promener un Pokémon avec la Pokéball plus. Ah oui, c'est vrai qu'on peut utiliser cette merde. 50 balles. Putain. J'avais zappé. Ah bah putain, on peut pas entrer dedans. Ok. Bon bah ça a servi à rien. Ok. Après ouais, ça reste un épisode... plaisant à jouer quoi. Enfin je me fasse les versions rouge feu, vert feuille, soul silver, etc. Parce que vu que j'aime bien les tout ce qui est en 2D et qu'il me semble qu'elles sont très très bien, faudrait que je les teste. Bon, je reviens, je vais me faire mon petit thé, j'arrive.
pas de coca ici. Enfin, pas avec moi. Avec moi, il n'y a que du Pepsi Max. Et oui, parce que je suis un vrai guedin. Un vrai ouf. Oh. Bon alors, la mine de Galar numéro 2. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces putains de Pokémon? Alors j'ai qui en tête? Krabby. Ouais. Ok. Hop. T'as du mal avec le Pepsi? Ah non, moi ça me va. Putain, un Opermine. Putain, c'est quoi ça? C'est drôle. Vas-y, Bulldo, on verra bien. Ouais, ça passe nickel le Pepsi. Enfin, le Pepsi Max surtout. Ah, pouvoir antique. Enfin, Bulldo. D'accord, t'as pistolet aussi, ok. Non, pas de super mule. Ok, bon, hop. Ah, c'est pas, j'en ai vu un sur un de mes forums là, qui disait ouais, putain, j'ai utilisé 30 super balls pour capturer un Culbutoke. Moi, déjà, quand j'en utilise plus de 3-4, je bute le Pokémon puis j'en reprends un, quoi. Franchement. T'as des trucs, c'est... Je sais pas où ils vont chercher des conneries à faire, mais... Si ça passe pas, tu le défonces. Et puis, tu réessayes avec un autre, quoi. Enfin bon. Les gens. Les gens. Alors, voyons. Un roche haut. Ils vivent par groupe de deux sur un rocher qui leur convient au bord de mer. À marée haute, le duo coopère pour capturer des proies. Ok. Pas de PC direct. Ah. Oh non, putain, pas lui. Travis. Tss, encore toi, salaud. Ah, faut que je mette mon truc à jour, moi d'ailleurs. Je vais appeler ça en route pour la troisième arène. Hop, voilà, c'est update. Ne te méprends pas, je ne suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi d'ailleurs. Tu crois? Te croirais-tu à ma hauteur? Ne me fais pas rire. Laisse-moi te montrer en combat l'étendue du gouffre qui nous sépare. Je te bats où tu veux, quand tu veux. Donc lui, c'est Mister Tête à Claque. Putain de Travis. 4 Pokémon. Un Nucleus. Ok. Alors lui, c'était Truc Ténèbres, je crois. Bah, écrasement déjà. Dame. Dark Sasuke, ouais, c'est un peu le mec qui se prend trop au sérieux. Je suis mort. GG Krabby. Neusko. Les attaques psy font extrêmement mal, je trouve. Elles font trop mal. Enfin, je regarde pour un Pokémon psy d'ailleurs. Scrutella. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Voilà, hop, morsure. On va bourrer. Choc psy. Hop. C'est vrai que ça a toujours été plutôt pété. Mais
trouve que là, sur celui-là, après, j'ai pas fait tous les rubis, perles, machin et tout, je trouve que là, putain, c'est bien un pauvre choc mental, ça m'explose. Pas déconner. Alors, bibi chute, donc lui. Morsure. Qu'est-ce qu'il va faire comme connerie? Putain, on fait le psy. Un PV quoi. J'ai intérêt d'attaquer avant. Ouais. Abusé quoi. Un rafale psy au niveau 22 quoi. Ponyta. Ah. C'est con, j'aurais eu Krabi, ça aurait été bien. Ponyta, feu. Ouais, on va y Ryuken. Je peux utiliser un rappel sur pendant que j'y suis. C'est pas un Ponyta ça. Non, non, non. Ça c'est un My Little Pony, mais c'est pas un Ponyta. Ça. Putain, choc mental. Putain, mais même lui, il a choc mental, quoi. C'est nimp. Bah du coup, c'est un Pokémon quoi, lui? Pokémon Psy? Ça m'étonnerait pas. Sur Miaus. On va changer, on va reprendre Miaus. Hop, on va faire des morsures. Préféré insecte, poison et spectre. Spectre, j'aime pas trop. Insecte, j'aimais bien avec avec Scarabrut, ce qui fait insécateur, etc. C'était bien pété. Il y en avait un autre dans les premières gènes insectes comme ça, comme insécateur, mais je sais plus c'est quoi son nom. Je sais plus. Bon bah je t'ai encore bourré le cul mon gars. Bien sûr, tu m'as laissé gagner. Bien sûr. Non, j'ai toujours aimé type eau. Type insecte. Poison, je trouve c'est un peu sous-représenté. Et tout simplement pitoyable. J'aurais même pas de ta carte de vie, j'irai jamais la regarder, connard. Putain, mais quel trimar. Le pire. Bon, on va aller régène. Oh merde, il y a des nouveaux Pokémon, putain. Bon, je reviendrai. Putain, il est mignon le petit lézard. Chier. Ouais. Je vais peut-être passer par là pour aller plus vite. Vite fait. Par contre, j'ai jamais kiffé les Pokémon de combat. Jamais. Si, j'aimais bien Tainion. Mais je trouve que. Ouais, je sais pas, il manque quelque chose. J'aimais bien les Pokémon sol aussi. Style Sablette. Merde, Osselet.
Oui, je suis très première gène, hein, désolé, mais je connais pas au-delà de la deuxième gène, et encore. J'ai du mal à me rappeler de la deuxième gène. Dudule, si, c'est un Pokémon seul. Alors, attends. Putain, il y a que des nouveaux là, cool. Enfin, pour moi, c'est des nouveaux. Un sans coquille. Vas-y. Fait rien. Vibre à quoi? Ok, c'est moi Pokémon 1. Oh putain, mais genre. Oh putain. C'est ouf. Écrasement. Et un. Vas-y, go Ryuken. Si Rototop doit être sol et l'autre il est glace. D'accord. Triple pied, j'ai peur de le buter. Quoique. Si j'aimais bien les Pokémon type glace, mais trop peu, il y avait trop peu dans le jeu. Après j'aimais surtout les Pokémon avec plusieurs évolutions, c'était cool. Krabby 25, Voltoutou 25. Je sais pas du tout à quel level ils vont. Ah bah parfait. Voltoutou qui évolue. Oh stylé. Fulgudog. Il est stylé celui-là. Pokémon chien. Il produit l'électricité puis la transfère dans ses pattes pour mieux courir. Ainsi, il peut foncer pendant 3 jours et 3 nuits. Et sans coquille. Alors, qu'est-ce que c'est? Un Pokémon eau, c'est tout. Certains disent que sa forme diffère en fonction de son alimentation, mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. Ok. Ah, il est bien stylé, le... l'autre, là. Alors, toi, t'es quoi? Sauf qu'il pouffe. J'aime beaucoup déjà, rien que le nom c'est bon, je valide. On va prendre Ryuken. Sauf qu'il pouffe. Ah merde, insecte sur non c'est bon. Vas-y, triple pied. Oh putain, j'ai dit ça. Ok, on va tester. Ah non! Oh le bâtard. Oui, oh, un truc comme ça. Bagiguan. Ok. Écrasement. Ah merde, il a pas assez de vie, putain. Quel con. Parfait, t'as la trouille. Tant mieux. Bikiguan. C'est ça. Alors attends, j'ai juste. Il file une potion. Enfin, 20 points de vie, ça peut pas être ouf. Super potion. Ouais, une potion ça suffit. Hein. Bikiguan. Il me donne envie, je pense que je vais craquer pour une Switch lors du Black Friday. Oh putain, yes. Enfin, yes. Putain, Dudule sur Pokéfion, ça risque d'être fort.
Après, il est cool, enfin... Si t'as aimé les anciens Pokéfion, comme moi... Il n'y a pas vraiment de raison que tu l'aimes pas, en fait. Je trouve qu'il joue bien, il est tranquille. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'au début, tu peux vraiment avoir quand même pas mal de... Oh merde, putain. Tu peux avoir pas mal de Pokémon... différents, en fait. Donc tu vois, par exemple, avoir Krabby dès le début, j'étais super content. Krabby, c'est un de mes Pokémon préférés, donc... j'étais bien content de l'avoir, mais... Mais voilà, t'en as plein dès le départ, donc tu peux te faire vraiment une compo très très hétérogène. Et homogène, du coup. Tu vois, genre, dès le départ, t'avais des bugons. Bah, ça le fait. Ténèbres combat, d'accord. C'est un Pokémon dangereux qui distribue des coups de tête à quiconque ose croiser son regard. Un Pokémon bagarreur qui met des coups de tête. Allez, en l'honneur de Dudule, on l'appellera Bikiguan. Parce que bon. Voilà, Bikiguan, parfait. On le prendra peut-être, il est intéressant. Est-ce qu'il y a des évolutions? Voyons. Alors. Pokémon légendaire. Ah bah ça c'est obligé. Alors je peux pas savoir. Et tu vois, attends, t'imagines là sur tous les Pokémon que j'ai vus. Il y en a déjà 333 à choper. Mec, non, mais il n'y a pas assez de Pokémon et tout. Putain, il y a déjà plus de 300, mais les gars. Ils sont fous. Non, mais l'Iguane, c'est bon, j'étais déjà une. Donc j'en veux pas d'autres. À Nicolas Cage, non. J'ai juste allé me remettre des soins. Mais après faut craquer si t'as envie de craquer. Faut pas en prendre une pour... Après, franchement, prendre une Switch pour un seul jeu, c'est un peu chaud. Mais du coup... Puis après, ça dépend quelle Switch. Soit la Switch classique, comme j'ai, hein. Soit la Lite, donc style plus Game Boy, quoi. Enfin... Dans l'idée. Je pense que je vais virer Capoeira, il me fait un peu chier. Trop... J'aime bien, mais il me manque un petit quelque chose. Tu vois, par exemple, tu vois, regarde, tous ces Pokémon-là, tu peux les avoir au début du jeu, toi. On va dire jusqu'à Cadoiseau, ouais, Axoloto, Goupil, ouais. Tout cela, jusqu'à Chidori-san, tu peux tous les avoir au début du jeu. Donc, tu vois, il y a quand même plein de... Tu vois, t'as des Pokémon... glace, sol, insectes, plantes, Nicolas Cage, normaux, Goélise, donc Pokémon au vol, le mouton, le pacastor évidemment, nounourson, Skill Kid. Enfin, y a quand même la base quoi. Magikarp, Magikarp. J'aurais bien pris Kleptoman, mais Pokémon normal, je crois. J'ai pas de Pokémon feu, j'ai pas de Pokémon psy, surtout. Est-ce que j'en ai? J'ai... Ah bah j'ai Chidoritan et j'ai Kulbut, ok. Chidoritan... Mais il vole aussi.
qu'ils veulent, ouais. Goupil, ce qui fait chier, c'est qu'il a aucune attaque feu. C'est juste eau, on avait dit. Ah oui, au permis nuit. Il fait quoi comme comme type? Roche eau, ok. Sucre aucun. Il y avait lui, ouais. Toxizop. Baudrive. Bon, on verra pour un... on verra plus tard. J'ai déjà capturé, puis après, on verra ce que ça donne. Alors, ah, un autre. Merde, lequel j'ai chopé. Si c'est lui qui quitte. Un sauf qui pou. Vas-y, Krabi. Crasse face. Merde, j'ai de sable. Putain, quel con. Salaud. Il n'y a rien qui est très efficace, putain. Allez, on va y faire que du jet de sable et ensuite c'est mort. J'en ai fait de balancer une Pokéball, on sait jamais. D'accord, putain. Bordel de merde. C'était pas prévu. Alors toi, je veux savoir ce que tu fais. Sonistrel. Pourquoi pas? Griffe acier. Critique, ok. Cruel. Cruel au niveau 21. Putain la vache. Dire que tu l'avais level 36 sur ton roux carnage. Putain. Bon, moi je vais direct. Ça, ça a l'air d'être plus Pokémon vol. Alors, vol dragon. Ouh. Ok. Un vol dragon, ça peut être sympa ça. Ça me fera un double type bien, bien intéressant. Ce truc, une limonde, un limonde, pardon. Ça a l'air d'être con, j'aime bien. Je vais essayer de le capturer. Stridoson. Je vais péter un plomb, Krabi. Buldo. Ah, déjà là. Tire de loup. Ok. Putain. Redéfonce mon Krabi, bordel. Par contre, putain, la couleur que ça donne en stream. Là, vous avez le sol en presque rose. Alors que moi, il est vraiment violet, quoi. Putain. C'est ouf. Déjà ça, quand on utilise un rappel sur la Micrabi. Vendetta. Triple pied. Il va peut-être mourir. Putain, il évite l'attaque.
que j'aime bien à Pokémon, c'est que c'est plus souvent les Pokémon qui ont l'air le plus ridicule et les plus badass quand ils évoluent, ouais. Mais j'aime bien utiliser des Pokémon qui sont pas... qui ne sont pas aimés en fait. Ah merde, touché qu'une fois. Sans deck. Moi j'ai vachement la collectionnite après avec Pokéfion. Oh putain, il évite l'attaque, mais lol. C'est nimpe. J'essaie une dernière fois. Putain, il va pas le tuer. Bah voilà, je l'ai dans le cul. Putain, c'est pas possible. Super, c'était pas un Pokémon qu'on voit qu'une fois. Putain. Quel merdier. Alors. On va utiliser une super potion. Et une potion également pour mon petit Krabby. Moi sinon ouais, j'aime bien les Pokémon avec plein d'évolutions, j'aime bien tenter des choses, prendre des Pokémon que j'ai pas l'habitude de prendre. Jimmy l'ouvrier. Un Vagomine. Ah, c'est un vrai Pokémon ça. Putain la vache. Je savais pas que c'était un vrai. Parce que je l'ai croisé sur la première mine. Et je pensais que c'était juste un chariot. Putain, il a pris cher. Tour rapide. Genre t'as un Pokémon chariot. Pokémon chariot, putain. Ah, Krabby n'a aucune défense, quoi. Putain, c'est terrible. Sol feu, ouais, y a des chances. Ah, ma Krabby, bon, très bien. Bleuzeille aussi. Ah, bah, je l'ai défoncé, ok. Toujours pas d'évolution pour Krabby. Mon petit Krabby. Hop. Trois sombres bols. Efficace de nuit dans les endroits sombres tels que les grottes. Ok. Ah, ça c'est un autre. Bon, ça va, il y a plusieurs fois. J'utiliserai peut-être des sombres balls sur lui. On verra. Allez, triple pied. On va pouvoir balancer tout de suite la sauce. C'est pas mal. Putain, tire de vous, fait chier. Mais après, ouais, si vraiment ça te tente, prends-le, Dudu, non ? Après, une light, t'en as pour un peu moins cher quand même qu'une Switch classique. Oh putain, sans deck. Après, je sais pas si tu peux streamer. Après, ça dépend si t'as envie de le stream aussi, Pokémon. Ouais, ok, c'est bon. Ok, Ryuken, c'est bon. Alors, sol acier. D'accord. À force de vivre dans la boue, riche en fer, son corps s'est transformé en acier très solide. Ok.
Et tu vois, par exemple, il y a eu un autre truc très qui facilite la vie. Tu vois, là par exemple, je peux juste aller dans le menu, je vais dans équipe et je peux tout de suite accéder à mes boîtes PC. Hop. Et je peux échanger direct les Pokémon que j'ai envie. Style, je prends de Bikiguan, hop. J'enlève Ryuken, put. Et j'ai Bikiguan, quoi. Tu vois, en fait, c'est plein de choses qui facilitent la vie sur... Ouais, on va dire facilitent la vie sur Pokéfion. Du coup... ça devient presque trop facile, en fait. Les choses sont trop simples. Enfin, presque trop simple. Oh, il y a un Pokémon machin là-bas. Ok. Il est dégueulasse ce Pokémon. Hey Meowth, go. Alors sûr. Putain la vache. Ah, c'est un coup critique ça, sérieux. Putain. Oui, badabouin. Allez, bing, tranche herbe. Mon petit double coup pour faire rager les rageurs. C'est pas très efficace. Ça c'était quoi déjà? Allez, on va faire sabotage, on va essayer. Ping. Oh putain. Oh, c'est vrai que ça c'est chiant ça. Défense spéciale. Faire un petit tranché herbe. Merde. Genre il a évité en plus. Quelle blague. Salaud. En fait, Paranoïaque, il est sorti au fait sur en jeu PC ou pas? Figudog, ok, Meowth aussi. Parce que j'en ai pas entendu parler. 2020, d'accord, il y a le temps. Acrogriffe, ok. Merde. Eh, hey, viens te battre Beverly l'ouvrière. Nodulite. J'aimerais bien l'avoir en Pokémon Nodulite. Hop, morsure. Antillère. Pas. Ok, ça dégage. Après, ça veut dire que tu pourras aussi jouer à Xenoblade 2 si t'as la Switch. Charpentier. Hmm.
Panty, on va tester Bleuzeil. Picor, égout. Ping, ça dégage. Il manque juste un poisson et j'ai fini ma première zone de Tezo à 100%. GG. Putain, tu me donnes envie d'y rejouer, salaud. Vous êtes vraiment les pires, putain. Peut-être que je me ferai une session de... de Tezo à un moment donné. On verra. Ah, il y a un Charizard, merde. Je crois que c'est un Pokémon feu ça. Karatrok, il me semble. C'est le Pokémon que j'ai sur le t-shirt du perso. Morsure. Pas ouf. On va prendre Krabby. Je confonds avec un autre Pokémon. Je confonds avec qui? Un Pokémon de feu là. Je sais plus. Oh merde, en roulant, ça pue. Bulldo. C'est pas ouf. C'est avec la roulade, ça va faire de plus en plus mal, je crois. C'est mauvais. De l'eau fraîche. Putain, il y a Gépien aussi. Pokémon Roche. Je sais plus. Putain, il recommence avec sa roulade, putain. Sale con. Et ensuite, on va essayer de le capturer. Ça peut faire très mal. Avec un truc. Zéro. On change. Merde, non, c'est une attaque roche ou sol roulade. Pas bon. Aïe aïe aïe, je pense qu'il va creuser. Hein. Ah, le dogo. Je vais pas pouvoir attaquer parce que il va être immunisé aux dégâts électriques. Moi j'ai morsure quand même. Ça. Ok, on y va. T'es tellement stylé ce dog.
Enfin, je refasse le stock de potions et tout. Et c'est bon, Karatroc. Putain, j'en ai chié. J'ai l'impression que plus le combat s'éternise, plus je gagne d'XP aussi. Alors, insecte roche. Ok. Les autres, je les ai déjà. On va les soigner. Tu vois, juste en faisant ça, en essayant de faire des combats, en essayant de capturer les Pokémon, je dois être à 14 heures de jeu, j'ai fait 2 arènes. À 13h on va dire. Comment les mecs en 2 après-midi ils ont fini le jeu quoi. C'est nimpe. Des 10 de la merde, ils ont pas joué au jeu. Bah visiblement si, mais bon, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Que les mecs qui claquent, je sais pas. D'ailleurs j'en suis à je dois en être à près de 12 heures de jeu, c'est ça? Ouais, 11h39. Et les mecs, genre, en 10 heures après, ils ont fait toutes les arènes, capturé plein de Pokéfions et tout. Putain. Ça donne pas envie de jouer quand tu joues comme ça. Hein. C'est bizarre. Hein. Putain, il est là. Sauf qu'il pue. Je veux t'avoir et je t'aurai. Efficace. Tranche. Ah, j'aurais dû faire bluff. Je sais plus si je l'avais encore. Oh putain, je l'ai buté direct. Un critique, bordel. Va te faire voir. Ah non, toi je t'ai déjà eu, c'est bon, ça sert à rien. Hop. Et toi je t'ai battu aussi. Oh non, pas eux, oh putain. Ah, Dudu, tu vas pouvoir voir les sbires. Pardon de te déranger, mais t'es bien challenger, non? Oh là, c'est super impressionnant, tu voudrais bien nous accorder un petit combat. Ah, t'es là, Carzo. Wow, t'es déjà trouvé tes groupies, on dirait mon frangin. T'es qui toi? On t'a pas sonné. Je m'appelle Nabil, je suis le prochain maître. Non mais lol quoi. Oh putain. Oh putain, c'est pas possible. Le mec il te lâche un. Hein. Non mais lol quoi. Putain. Oh l'enfer, putain. Entre les autres qui te disent non mais lol quoi, Nabil qui te sort un de ouf toutes les quatre phrases. Putain. Putain quoi, vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver? Vous allez le regretter. On va leur montrer, ok. Quel enfer. Eh ouais, on est recommandé par le maître en personne, vous allez voir ce qu'on sait faire. Pff, vous êtes vraiment à la ramasse. Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est la dure réalité du défi des arènes. Pourquoi il a fallu qu'il réplique l'autre naze? Il était bien de plan d'embobiner Changer en étant poli pour mieux les dégager un par un. Plutôt avoir des Pokémon jouer à Fortnite, là il y a des chances. Regarde-moi ces mecs, ces sbires. Ils sont pas beaux avec leur double corne là. Ils sont comme ça là. L'enfer.
où ces moutons? T'as pas autre chose Nabil comme Pokéfion parce que... Le mec est tellement à fond. Bluff sur Blonard. Mam, tu joues pas le premier tour. Quoi? Un double pied et il saute juste sur lui. Putain, quelle honte. Jeu de merde. Ah bah attends, je vais repiquer du pognon en même temps. Jackpot. Putain, le mouton, il a pris tellement cher. Bikiguan 22, ok. Grosse défense Bikiguan, pas mal. Un Léopardus. Stylé. Ouais, je pense que Mouton, c'est fini. Rip Niaus, mais non. Là, il envoie Bleuze. Ok. Vas-y, je vais changer aussi, je vais envoyer... Je vais envoyer Krabby. En avant Krabby. Putain, 4. Pas mal. Décédé. Au revoir. Au revoir. Ok. Krabby 27. Fulgudog. Putain, Fulgudog, je suis fan. Non, attaquons. Écrasement. Il est nul à chier mon, mon pote Nabil. Hein. Putain. Nul, nul, nul. Arrosar. Ah bah c'est son dernier Pokémon. T'écrase. Ouais, hop, terminé. Rip petit et machin. Un pan d'espiègle. Ah oui, il est pété lui. J'aimerais bien l'avoir, il est bien stylé lui aussi. Griffe acier. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé? Je crois que j'ai tapé dans le vide. Ah non, c'est bon, ça, ça le touche quand même. Balayette. Genre, il me fait une balayette, lui. Faire une balayette laser, tu vas voir. C'est quoi, c'était gros yeux? Oh. Putain,
Putain, fais des dégâts, bordel. On s'en fout. Et voilà. Fini. Enfin, je crois. On a perdu, mais où le reste de la team qu'on a besoin d'IL? On aurait peut-être eu une chance de gagner si on avait pu faire un max de bruit. D'accord. C'est vrai, j'avais fait un jackpot. J'ai gagné un peu de thunes. Toi là, t'es le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Il y a des frères mieux que d'autres. C'est également pas juste. La team nous vengera. Ok les gars, cassez-vous. On fait vraiment la paire, toi et moi. En fait, t'as vu Kabu, toi? Parce que moi, non. Quand tu viens de chercher, on va bien le trouver. Et c'est vrai, il y a le maître. Mettre des Pokémon, je sais plus quoi ici. Ah, il y a la tortue. Il y a un item ici. Morceau d'étoile. Voilà. Non, non. Putain. Ah ouais, putain, Baggy. Oh putain, j'avais même pas compris le. La ref quoi, putain. Chaud. On va essayer de choper l'autre sac Sakoyalo. Par contre, j'aime le nom de leur maître Rosemary, qui est aussi un titre d'un film d'horreur. Ouais, c'est une dark. Non, c'est une émo gothique. Leur comment leur leur championne. Bon, on va essayer de le capturer lui. Torgam. C'est un acier haut, je suppose. Morsure. Putain. Les dégâts de ouf. Une de 68, ouais, non, je connais Rosemary. Enfin, ça me dit quelque chose. J'ai déjà dû en entendre parler. Je sais plus c'était quoi exactement, mais ouais, ça me dit quelque chose. Déjà un point de paralysé. Une étincelle à l'hiver. Putain. Nique sa mère. Muse 28. Bicky One 23. Très bien. Très bien, je suis pas content quand même. Karatrok. Sac de sable doux, donc ça c'est pour les Pokémon type sol, ok. Putain, mais c'est mieux en fait qu'elle plus level. Ok, petite save. Ok. Salut toi, personne ne résiste à la puissance de la vapeur. Lazare le cheminot.
Lazare le syndicaliste. Putain. Avec ton badge de la France insoumise. Ah bah v'la rototope. Parfait. Ah, bulle d'eau. Bon, je crois que t'auras pas le temps de profiter de ton aiguisage à mon avis. Mon cher rototope. Ping. En plein dans le point faible. Putain, Onyx. C'est la merde. Bon, au final. Zéro défense spéciale. Propre. Badabon 28. Bon bah, le cheminot, il va retourner dans son train. J'ai pas pu résister. Ce carnage, je l'ai défoncé le Onyx, putain. Je pensais pas. Hein. Tourbis a bloqué. Donc ça c'est... C'était... Tempête de sable terrifiant qui dure de 4 à 5 tours, putain. Bon, toi tu me fais chier. Toi aussi. Hop. Oh putain, il y a Nabil. Ah bah. Voilà Kabou. Allez hop, on remballe. Putain, ils se font... ils se font botter le cul par tout le monde. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Wago! C'est Kabou, comment il les a incendiés? C'est pas pour rien que c'est le champion du type feu. Nabil et Karzomir, c'est bien ça, les challengers recommandés par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants aux challengers. La mine de Galar numéro 2 regorge de Pokémon haut. Un véritable défi pour une équipe de type feu. Enfin, c'est pareil, il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour Motorbike, je suppose. Dans ce cas, continuez tout droit et vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi des arènes au plaisir. Viens, brave Vagomine, je te raccompagne. De brûlants combats nous attendent demain. Oh. Oh. Bon, Frangin va parler de Kabou. Il paraît que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, va pas falloir se relâcher. Mais évidemment que non. Passer la nuit au Rose Bouton d'Or. La Vagomine de tout à l'heure devait être là pour un Poké Service. Tu sais ce que c'est? Non. Ah, je sais pas, attends, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des Pokémon pour accomplir des missions. Et il paraît qu'on peut leur prêter des nôtres en s'adressant à Infotisma dans les centres Pokémon. En tout cas, c'est ce qu'il y avait décrit dans les notes du frangin. Bon, fils se repose à terre, on a toujours nos chambres à Rose Bouton d'Or dans Motorbike. Faut qu'on soit en forme. Pour demain, pour affronter Kabou. Ok. Easy. Easy Kabou. Par contre, je vais revenir. Oh, c'est quoi ces Pokéfion? Non, il n'y en a pas d'autres. Bon, tant pis. Alors, oh, un Smogo. Et un Simularbre. Trop bien. Smogo. Vas-y Krabi. Même pas peur. Griffe acier, vas-y. Bon, il y a... Ouh. Dans le coup de barre.
mal. Ah, des tricules, je crois que ça fait mal ça. Oh putain, il m'a empoisonné. Putain, foiré. Je sais pas si j'ai un anti-poison. Ce serait peut-être mieux. Putain, ça c'est mort. Et Pokémon. Ah, vas-y, Mickey One, go. Est-ce que tu as eu ton dernier poison dans tes os du duel? Au fait. Alors, coup de boule. Pas encore, putain, salaud de poisson. Merde, j'ai pas eu le niveau qu'il avait. Je crois que c'est 22. Le Smogo. Est-ce qu'il serait vol poison, Smogo? Krabby 28. Crabosse, yes. Trop cool. Alors Crabosse, sa grosse pince est usée une puissance incommensurable, sa taille imposante la rend toutefois difficile à utiliser. Merci. Et donc Smogo. Juste poison, ok. Son corps est gonflé de gaz toxique, il se rend dans des décharges attirées par l'odeur des déchets alimentaires en décomposition. Hop, boîte PC. Bah, très bien, j'ai Smogo maintenant. Pièce rune. Double l'argent gagné si le porteur se joue en combat. Ok. Fait une Big Iguan en premier. Merde. Oh. Oh merde. Non. Putain. Non. C'est moi, monsieur. Je vais me TP. Skiforn. Ouais. Donc ça aussi, il n'y a même plus de CS vol, hop, je vais sur la carte, je dis d'aller là, et hop, j'y vais. Toi, tout est vraiment... easy, quoi. Du coup, je me demande s'il y a des Pokémon que je vais garder, quand même. Style Krabos. J'aimerais bien le remplacer du coup. Je crois que Marc Acré m'intéresserait. Glace Sol. Mais c'est glace, c'est pas où. Je vais garder Krabos pour le moment. Et j'ai dit, c'est quoi Baki machin là. C'est combat. Combat ténèbres. Il y en avait un que j'aimais bien, c'était qui? Ouais, ouais, ils l'ont ultra casualisé même. Du coup, il y a des trucs plutôt cool. Mais ça, j'avoue que c'est assez... c'est presque trop, en fait. Spectre plante, non. Donc ça, c'est non. Toi, t'es quoi? Spectre vol.
Je crois que c'était toi que je voulais prendre. Mais vu que t'es vol, je vais pas te prendre tout de suite. Toi, t'étais roche eau. Carte qui était quoi? Secteur roche, ok. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, bah. C'est quand même un peu gênant. Regarde mon vélo. Incroyable, merde. Easy le vélo. C'est vrai que plus besoin de Pokéball, tu vas y aller direct. Merde, putain. Bon, on va fuir direct, ça sert à rien. Ça m'intéresse pas ce Pokémon. Mais de toute façon, je les ai. Pour enlever le vélo. C'est vrai que c'est un peu too much de... Voilà. Un peu too much de... Voilà, tu peux t'envoler direct, y a plus de CS. Vivement que j'ai surf en fait. Oh merde, boulard. Faire que des boules armures ce truc. J'ai de sable pour m'emmerder ce petit con. Oh non putain. C'est vrai putain. Quel merdier. On va te faire foutre Pokémon. Un chat, on va en prendre d'autres. Donc Smogos c'est bon. Ça c'est Noir Fang je crois. Ça va être l'évolution de... De Hoothoot. Si je dis pas de conneries. Par contre peut-être mauvaise idée de mettre lui. Extrasenseur, ok. Ah ouais, mais je suis ténèbre, ça doit l'emmerder aussi. Lame d'air. Putain la vache. Ça pique. Full dog, vas-y. Full dogo. Ah ouais mais tu t'es fait enculer là du duel. Direct bref. Sans préliminaire. Il t'a fait le derrière sans préliminaire. Voilà. Bon essayons de le capturer quand même. Ah, du premier coup, Noir Fang. J'aimais bien Noir Fang aussi, comme Pokémon. Charme. Ouais. Non, je m'en fous. Ah, quoi qu'à la place de charge. Ouais, si. Vas-y, on va essayer. Ça peut être utile sur des Pokémon masculins. Bleuzeye 28, Grimace.
Finalement, qui est freiné, il réduit beaucoup sa vitesse. Ouais, non, ça, je m'en fous. Alors, Norfang. Ses yeux à structure particulière sont capables de voir qu'en plein jour, comme en plein jour, même quand il fait très sombre. J'utilise un rappel. Une potion. Alors, il y avait un simularme aussi tout à l'heure. Ouais, il n'y a plus, plus de simularme, je l'ai dans le cul. Super Ball. Okay. Merde, quel con. Putain, il m'a tellement défoncé le cul, putain. Ça pique. Ça pique. Ok. Ah putain, il a le simularme. Merde. Ah, une grande dame de ce monde. Ouais. Clémence la mondaine. Ah, vol toutou. Allez, Biki Gwen, va mettre des coups de tête. Ping. Coup de boule. Je vais te paralyser, ça fait faire chier. N'est plus paralysé. Ah, c'est cool. Sa technique à lui. Sympa. Ah, il y a deux Pokémon. Ah ça, ce qui était con aussi dans les anciens Pokémon, c'était les dresseurs qui avaient deux, trois fois le même Pokémon. C'était très très con. C'était complètement idiot. Je me souviens d'un pêcheur qui avait que des, que des Magikarp entre le niveau 1 ou 2 et le niveau 15. La perte de temps. Rhinolove. On va envoyer Krabos là. Rhinolove. J'ai hâte de voir. C'est pas ce à quoi exactement je m'attendais, mais bon. Écrasement. Tranchère. Bam. Oh putain. J'étais tellement bourré le cul. Putain, choc mental quoi. C'est bon, il va me faire crever mon Krabos. Bing. Et voilà. Easy la mondaine. 4800 boules. Ouais. Simularme, go. Qu'est-ce qui était comme... Je crois qu'il était roche, il me semble. Souvenir lointain, c'était ça. Copie. Et après Buldo. Ok. Effacier. Merde. Putain. Sa mère. Baston. Prenons baston.
PP plus, c'est cool. Un autre simularme. Yep. Bon, simularme round 2. Fight. Ça fait du bien de chier. Je viens de croire. J'ai une envie d'aller pisser là. Ok, good. Pire, t'auras pince machin. Allez, Pokéfeu. Pouit. Pouit. Yes. Similarme, très bien. Krabos 29. Alors, c'est juste rush, ok. Putain, j'aurais dû l'appeler Mukujin. Oh, tant pis. Par contre, les chiottes à 10 degrés. Bah ouais, mais c'est ce que j'avais dit. Hein. Tu te transformes en. En style. Style skin. Style skin, n'importe quoi. En. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Skalgam. Hein. Je crois que c'est ça. Oh, monsieur l'agent, bonjour. Halt, tu es en état d'arrestation pour te battre contre moi. Et... Putain, peut-être qu'il a Akira le policier. Caninos. Oh putain, le bâtard. Il a un Caninos. Je m'en fous, c'est de l'attaque SP. Zbré. Bam. Dehors ton Caninos. Ah d'accord, il avait que ça, putain. Bah dans mon appart, ça va, là il fait 20 degrés, mais bordel, quand tu passes la porte, ils sont direct la différence. Je sais pas, moi il doit faire 19, 18 et demi, en gros. Je mets jamais beaucoup plus. Ça m'évite qu'il fasse trop froid ailleurs en fait. Je laisse une espèce de marge. Cavalius est en pleine forme maintenant au point qu'il est parti en un Poké Service. Ok. Pokéball, Super Balls. Ah, Mr. Balls. Mais je viens toujours te dire bonjour, Mr. Ball. Hop. Ok. On va. Pretty pourri, boui boui. Le centre est là. Hop. Allez, puis je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'on aura bien, on aura avancé, on sera juste devant la troisième arène, ce sera pas plus mal. Je vais peut-être juste réfléchir un peu au Pokémon qu'il va me falloir, parce que là, à mon avis, c'est Krabos qui va faire tout le travail dans l'arène de feu. On va voir. Je vais réfléchir un petit peu. Ouais. Je vais aller voir s'il y a du monde à Ostei. Alors. Ah. Pour te faire plaisir, Durdul, je vais t'envoyer chez. Chez Nekrua. Ton grand copain. Oh putain. Oh la vache.
Bon, bah, bonne nuit. Aïe, 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 aïe. Mon pauvre. Bon. On est lundi, donc pas de stream demain soir. Prochain stream, mercredi. D'ici là, j'aurai peut-être avancé un petit peu dans Pokémon. Hein. J'aurai peut-être fait un petit peu de jeu, on verra. Peut-être je vais avoir réfléchi une team un peu plus loin, on verra bien. Bref, bonne soirée, bonne nuit, reposez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao ciao. Au revoir Dudule, bonne nuit.